évoqué le livre que tu avais aimé. Ouais, après, y a pas 3 kilos du tout. Ah, il affiche. Il affiche grave. Il affiche, quoi. Ah, la canne. Oh là 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 là. Là, oui. Miroir. Ouais, ouais. Oh, le plaisir. Petite bille avec Tiger. Hein. Là, oui. Oh là là. Ah oui. Il affiche. Ah, il affiche. Tu peux juste mettre un coup en avant, là, genre sur 5 mètres. S'il te plaît. Ah, c'est joli. Ouais. Non, non. Non, impossible. On verra bien. Ah, il y a un bœuf. Bien joué, gros. Yes. Oh, il y a bœuf. Oh, il y a bœuf, ouais. Oh là là. Franchement, lèvre du haut, je serais étonné. Si. Non. Mais non, gros. Oh, il y a steak, gros. Ah ouais. Incroyable. Elle est large quand même. Elle est propre. Oh, c'est beau ça, mec. Bon. Ouais, c'est dedans. Les gars, un gros poisson pour commencer cette pêche. Une canne qu'on a posée tous les deux avec Axel en bordure dans la nuit. Un super départ, un gros combat. Et franchement, premier poisson ici, un bijou, que du kiff, gros gros régal. Yes, ça fait plaisir. Un poisson méga massif, un gros gros régal. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Début de saison, début mars, pêche en barrage enfin avec le poteau Axel. On a choisi un secteur qu'on connaissait pas tous les deux avec du challenge. Il y a des gros poissons, pas forcément une énorme densité, mais nous c'est ce qui nous fait kiffer, des lieux sauvages, du big fish. On a passé notre première nuit au bord de l'eau. Axel est là depuis la nuit d'avant. C'est ça, moi je suis arrivé la nuit dernière, donc avant cette nuit là pour repérer signes d'activité, parce que sur ces lieux il n'y a pas beaucoup de poissons, il faut essayer de les trouver. J'ai décidé de partir un jour plus tôt sans pêcher, juste pour repérer. J'ai dormi à la Belle Étoile pour voir si j'entendais un petit peu d'activité. Ensuite j'ai attendu Guillaume qui est arrivé hier matin très tôt. On a chargé les odds et puis après c'est parti à l'aventure pour trouver un poste. On a quand même réussi à avoir quelques sous en arrivant sur le lac qui nous ont aidé à nous poser. Après on a vraiment une très grande ouverture, c'est ce qu'on voulait aussi. Il n'y a pas de pêcheurs, donc on est vraiment tranquille sur ce point là. On a opté pour une approche vraiment différente sur toutes les cannes, avec de la pêche en extrême bordure, de la pêche en pleine eau, sur du sable, sur des cailloux, des arbres immergés, un peu tout. Et puis vous avez vu ce magnifique poisson qu'on a réussi à toucher cette nuit, une miroir bien massive en extrême bordure sur une tache de sable avec une petite bille et une tiger. Donc voilà, là on a remis en pêche. Toi t'as remis en pêche ce matin. Moi je viens de remettre en pêche, j'ai un peu ajusté par rapport aux endroits où on déroule. T'as rien touché pour le moment? Moi j'ai rien touché, ça pêche depuis hier 14h, je vais laisser toute la journée. J'irai replacer ce soir en fin d'après-midi et puis voilà, on espère toucher du fish et pourquoi pas un autre gros poisson.
L'après-midi s'est déroulé tranquillement, on a vraiment un temps très changeant. Il y a du soleil, il y a beaucoup de vent, il fait froid, beaucoup de nuages, ça change très très rapidement, donc c'est vraiment un temps un peu bizarre. Là c'est 17h, je viens d'aller tout juste reposer mes trois cannes. Hier en arrivant, après avoir choisi notre secteur, je suis parti à pied me balader sur la bordure. Il y avait un beau soleil, j'ai pu observer le sable sur les bordures, en extrême bordure, avec quelques groins de carpe, beaucoup de coquillages. C'est pour ça que je me suis dirigé vraiment vers l'extrême bordure, et ça a payé cette nuit sur un substrat sableux juste derrière un bloc, un super poisson. Donc voilà, aujourd'hui je réitère un petit peu, j'ai des cannes qui vont pêcher entre 1,3 m et 4 m, des amorçages vraiment compacts composés de billes en 20 et en 15, de chêne vie, maïs doux et de tiger, et un peu de bibroye. Hier la carpe n'a absolument pas rejeté d'amorce, donc peut-être que les poissons s'alimentent très très peu, et le fait juste d'avoir des petites particules les pousse à venir fouiner et puis tomber sur notre hêche. Là, 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 ce fiche. Yo les amis, bon, deuxième nuit qui vient de se dérouler, une nuit bien productive, on fait trois départs avec un méga fiche, un truc de fou, ça a été magnifique, un départ en direct au coin du feu, un gros combat et un pur fiche, vous allez voir, c'est monstrueux. Axel il est en train de se préparer parce que à mon avis son dos il va grincer un petit peu, et puis voilà, on va profiter. Poisson de malade les gars. Ah, c'est monstrueux. Splendide. Monstrueux. Magnifique. Un poisson à plus de 29 kg. Les gars, j'ai des frissons, c'est... C'est magnifique. C'est rien à dire. C'est un monstre. Une session de partage, des fiches de fou. Un lieu magnifique. Voilà. On profite. Les récompenses. Ça c'est bon. Allez, je vais essayer de la lever. Un petit kiff. Poisson qu'Axel a fait en extrême bordure. Et je suis super content qu'on vous présente ce poisson sur ma chaîne. C'est monstrueux. Un régal. Massif. Ça c'est bon, mec. Voilà, là, ce plaisir. Pur poisson de barrage, c'est... C'est un régal, yes, c'est un régal. Oulou. Allez, santé les gars. Santé gros. Colonel. Petite marée dessous. Pour ceux qui connaissent, c'est pas un placement de produit.
fini. Bon alors les amis, en termes d'approche sur ce nouveau barrage pour tous les deux, comment ça s'est passé? Pour ma part, j'ai réussi à toucher un premier poisson avec une approche d'extrême bordure, avec très peu d'amorce. Ensuite, toi t'as réajusté. Ouais, par rapport à la première touche. Voilà. Je réajuste ma pêche par rapport à ce qu'a déclenché Guillaume la veille. Et on touche le gros poisson que vous avez pu voir. Malgré que la pêche en extrême bordure nous a produit des très beaux résultats, on n'a pas délaissé la pleine eau. Donc on a posé une petite canne ensemble parce qu'il y avait beaucoup de vent, on voulait que ça soit super bien posé, sur un substrat, une différenciation de substrat, à la limite sable vase. C'était sur les cannes d'Axel, t'as amorcé. Ouais, c'est ça, j'amorçais Big Tiger, plus compact. Voilà, pas de particules. Ouais, c'est en pleine eau, j'ai dit on va essayer ça. De toute façon, c'est une canne comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà, donc intéressant quand même de pêcher la pleine eau sur ce type de lieu. Et départ ce matin à 8h, malheureusement, tanké dans une souche et puis on a cassé à la main. En conclusion, une pêche fine, on va dire quand même. Ouais. Des gros poissons, mais très peu d'amorce. Une pêche qui se déroule principalement en extrême bordure ces jours-ci. Un petit peu en pleine eau, mais sans plus, parce que moi aussi j'avais une canne, mais elle n'a pas déroulé. Et puis voilà, une dernière nuit ce soir, où peut-être l'extrême bordure ou sa canne nous donnera encore un dernier poisson, on espère. Mais en tout cas, session plus que réussie. La pêche est faite. La pêche est plus que faite. Magnifique. Trop bien. Bon les amis, ça y est, session terminée pour Axel du moins, parce que moi je vais pousser 24 heures de plus. Je me rends sur une nouvelle zone où le soleil est susceptible d'avoir chauffé un peu plus l'eau. On est super content parce qu'on fait une belle commune juste avant de plier en plein cœur de la tempête. C'était donc la même canne qui déroule hier matin où malheureusement je casse le poisson. J'avais reposé au même endroit, limite dur vase. Pleine eau. Pleine eau. 8 mètres. Pleine eau, ouais c'est ça, ouais, à peu près voilà. 7-8 mètres. Et gros plaisir, plein vent. Gros combat, trempé. Grosse tuerie. En tout cas, c'était une session de fou, on sort 3 poissons sur 5 départs, on est vraiment ultra content. Si vous voulez suivre un peu les aventures halieutiques d'Axel, vous pouvez l'ajouter sur son compte Insta, donc c'est Axel Bonnet, c'est ouais, ça. C'est ça. Axel Bonnet, pêche de grand lac, gros poisson, barrage, lieu sauvage, voilà c'est cool, n'hésitez pas. Allez, je vous reprends tout à l'heure, une petite dépose, un big fish je l'espère. Ciao les gars, merci. Ciao. We'll be right back.
j'ai changé de secteur, tout simplement puisque sur la zone où on était avec Axel, en pêchant du côté droit du lac, ça faisait presque 48 heures que je n'avais pas enregistré un départ. Lui, Axel, 24 heures avant, déroule en pleine eau. Puis tout à l'heure, durant les grosses bourrasques de vent, cette magnifique commune qui nous a vraiment régalé. Du coup, je me suis dit, je vais faire une petite mise de plus, je vais pousser, c'était pas prévu. Je vais me diriger vers la zone du lac beaucoup moins profonde, puisqu'il a fait beaucoup de soleil durant ces 3 jours et que en pêchant la zone un peu plus profonde du lac, je ne touchais plus de poissons. Je viens de déposer mes 3 cannes. Une première canne qui pêche dans 1m2, 1m3 sur de la vase. Une deuxième qui pêche dans 3 mètres sur du sable entre les blocs. Et enfin une troisième qui pêche dans une cassure dans 6 mètres. Ça pêche avec de la bille et de la tiger. Et j'espère pourquoi pas finir en beauté avec encore un super poisson de ce magnifique lieu. Bon les amis, 48 heures après avoir touché mon dernier poisson, un peu plus de 48 heures, j'ai poussé une nuit de plus, objectif un fish, peu importe la taille, peu importe le poids, et c'est chose faite avec cette belle boule magnifique. Ce matin, une énorme déroule à 8h30. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se termine la session. 4 nuits, 2 poissons pour moi. Une super miroir dès la première nuit de 23 kg. Mon plus gros poisson de cette année. Un poisson de fou avec Axel, trop bien. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai rien lâché. Et puis encore un superbe petit poisson, une belle boule. Je vais plier les cannes, tranquille. Et puis j'ai un peu de route pour rentrer à la maison. N'hésitez pas, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, à le faire, à mettre un petit commentaire et puis toujours à prendre du plaisir au bord de l'eau parce qu'on est là pour ça et ça reste la passion. Allez, je vous souhaite à tous une bonne pêche. Ciao les amis. Malgré que la pêche... Si ça passe, c'est bien. Malgré que la pêche en extrême bordure avait l'air d'être plutôt bien productrice, malgré que la pêche en extrême bordure avait l'air